perdrai ça. Je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. Je parcourrai la terre entière, traquant avec espoir les Pokémon et leurs mystères, le secret de leur pouvoir. Pokémon, attrapez-les, c'est notre histoire. Ensemble pour la victoire, Pokémon, rien ne nous arrêtera. Notre amitié triomphera. Pokémon, attrapez-les, même à notre âge. Un voyage d'apprentissage et ça demande du courage. Pokémon, attrapez-les tous, attrapez-les tous, Pokémon. Dans l'épisode précédent, nous avons affronté le Major Bob qui était assez puissant avec son Raichu. Mais pas suffisamment puissant pour nous, puisque nous n'avons fait qu'une bouchée de ce Major Bob. D'ailleurs, aujourd'hui un grand événement devrait avoir lieu avec le Sainte-Anne. Je suis tout excité de savoir ce qu'il peut y avoir. Salut à toutes et à tous, c'est Galius. Et aujourd'hui on se retrouve pour le 8ème épisode de Pokémon Ash Gray. Je tourne à la suite de l'épisode d'avant. J'ai bien fait, félicitations. Tu es vraiment chanceux. Ah oui, pardon. Chouette. Mais tu, vous êtes vraiment chanceux. Enfin, non, ouais, you are way chanceux. You get to go to a super deluxe sea cruise. Vous pouvez accéder donc à une super croisière sur la mer. Eh bien, c'est genre, vous savez, nous avons ces incroyables tickets super chouettes pour vous. Chouette. En anglais, c'est cool et là, c'est chouette. Ces tickets, ce sont des tickets pour la grande fête. Jamais faite. Bon, à bord du Sainte-Anne. Chouette. Et c'est pour les dresseurs Pokémon seulement. Ok mec, voici ton ticket. Et ils sont totalement free, totalement gratuits. Chouette. From the Dopey Girls. Nous devons, sortir avec nos... Enfin ouais, aller avec nos petits amis. Mais nous voulions te donner nos tickets à un fan Pokémon cool. Chouette. Vas-y, prends-les et amuse-toi bien. Allez, bonne journée. Ah, les malins. Bon, là, on dirait pas que c'est la Team Rocket, hein, mais normalement, c'est la Team Rocket. Oh, c'est quoi, ça? J'ai envie d'y aller, mais si ça déclenche un événement, je serais vraiment trop deg. Est-ce qu'ils sont soignés au fait? Ouais, c'est bon. Donc pour l'instant, Salamèche n'évolue pas. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez me rappeler dans quel épisode il évolue, s'il vous plaît? Bon, normalement, je regarderai les épisodes, mais que je me fasse une idée un petit peu. Genre, à quelle arène, dans quelle ville, etc. Je me souviens plus. Bienvenue au Sainte-Anne. Excusez-moi, vous avez un ticket? Bienvenue au Sainte-Anne. Merci. Bataille à bord du Sainte-Anne. Oh, cette musique! La musique du Sainte-Anne, merveilleuse musique, merveilleuse. D'ailleurs, c'était mon intro dans Pokémon Emerald, en réorchestré. Ah, super. Oh là là, quelle musique! D'ailleurs, je pense, j'ai eu l'idée, que je vais faire la ligue Pokémon avec Nutiteuf. Ça faisait longtemps que j'avais plus fait de vidéo avec lui. Et pour vous dire voilà, que je le connais et qu'on est quand même très bons amis, ben, je pense que je vais l'inviter pour la ligue Pokémon de Ash Gray. Voilà, ça fait longtemps qu'on n'a plus fait de vidéo ensemble. Bon, il y a Pokémémo, mais bon, c'est un peu à part. Je suis l'infirmière du Sainte-Anne. Allez, pour le plaisir, même s'ils sont déjà soignés. Ces Pokémon sont faibles, apportez-les-moi. Là, je pensais qu'il allait avoir une grande salle et tout, mais bon, ça va être des combats. Vous savez, dans le dessin animé, il y a une grande salle et j'imagine qu'on va... Alors, oui, on va affronter le Ratatak. Non, c'est pas lui. Là, je baisse un peu le son. Ah, c'est bien le tunnel, n'empêche.
Les attaques sol, c'est une grande portée. Électrique, feu, roche, acier. Franchement, ça gère. Même feu, d'ailleurs, aussi. Les attaques sol, c'est super, super intéressant. Si tu veux. Comme tu veux, c'est parti. Non, normalement, je mets KO. Ouais. Ça, j'allais me prendre une attaque feu dans la face. Ouais, donc je disais, vous m'avez dit qu'en fait, on pouvait échanger Papillusion. Et à la fin de l'événement, retourner le voir. Non, par contre, là, j'aurais dû changer. Je vais changer. Et à la fin de l'événement, on retourne le voir et il nous rééchange Papillusion contre Ratatak. Voilà. Carapuce. Donc ça va être chouette, c'est vraiment comme dans le dessin animé. Pistolet à eau. Ou critique, bon. Ouais, peut-être, tu vois, si, je pense qu'il aurait été KO quand même. Je pense. 4 niveaux d'avance. Ah, donc c'est Cyclone. Ça peut être intéressant. Bon, dans le jeu, les dresseurs se placent pas trop. Je parle en termes de boost. Mais ça peut peut-être le... Ça peut le faire. C'est un Pokémon qui me gêne. Ouais, je vais enlever ça, là. C'est quoi, ça? C'est Christian. Bon, bah c'est bon, je crois. Merveilleuse musique. Musique merveilleuse, reposante, calme. Es-tu fatigué? Tu devrais... Ouais, ok, ok. Voir l'infirmière. Joël? Pour soigner les Pokémon. Un combat? I say, how riveting. Riveting. Je sais pas ce que ça veut dire. Riveting. Il te rend mal. Et contre les types poison aussi, punaise, mais j'oublie. Attendez. C'est puissant l'attaque sol contre le feu. La roche, l'acier, le poison, l'électricité. Vous imaginez la portée des attaques sol? 5 faiblesses, si j'en oublie pas. Bon, je crois que c'est ça. C'est impressionnant. Ouais, on va rester. Plus je les mets KO en un coup. Bon, avec la balle lumière en même temps. C'est pas étonnant. Tunnel. Oh! Point poison. C'est pas grave, il y a l'infirmière Joël à côté. On va en profiter. D'ailleurs, pour ceux qui viennent à la Japan Expo, faut que je vois qu'est-ce que je pourrais vous amener. Je pensais toujours... Je pensais vous apporter des petits souvenirs ou quoi. Pas une simple signature sur un bout de papier. C'est un peu trop banal, je trouve. Je voulais que vous gardiez un souvenir de moi. Un souvenir palpable. Et ce que je pensais, c'est vous offrir un petit truc à chaque fois que vous viendrez à Japan Expo, au stand. Donc moi, je serai disponible le week-end uniquement. Avec bon, toute la troupe, hein, du Titeuf, Zarkofeu, Pyrux, Beetle. Et c'est tout. Et moi, on sera 5. Et s'il y en a qui veulent, nous sommes un couple à la retraite. We saved up for years to go on. Nous avons économisé pendant des années pour faire ce voyage. Donc s'il y en a qui viennent à Japan Expo, qui veulent me voir, vous pouvez. Et si vous voulez me faire plaisir, vous pouvez m'amener... Un petit Tupperware, donc Tupperware, vous savez, c'est les genres de boîtes en plastique là pour conserver les aliments. Ou je sais pas, un petit truc comme ça, vous m'apportez ça, vous m'apportez du taboulé fait maison. Et franchement, j'y prendrai mais un plaisir fou à manger ce taboulé. J'adore le taboulé. Et mais fait maison par contre. Et si vous pouvez en faire sans poivron, ça sera encore mieux. Parce que j'aime pas trop les poivrons en fait. Je trouve que ça va pas trop avec. Ah, vous avez entendu? Donc voilà. C'est marrant ce bruit.
Take a look at the small screen on my Charmander. Ouais, ok, regarde la peau de mon Salamèche, de mon Carapuce, ok. Voilà, si vous pouviez m'amener du taboulé, ça serait énorme. Taboulé, donc moi ce que je mange généralement c'est donc la semoule, tomate concombre à l'intérieur, un peu de citron, du persil, des oignons à la limite un petit peu aussi. Ah bah tenez, c'est le Staros qu'on voit dans le dessin animé. Voilà, après je sais qu'il y a un taboulé que j'ai beaucoup apprécié, que j'avais mangé en Allemagne, à Berlin. C'est une spécialité libanaise, c'est le taboulé libanais en fait, où il y a énormément de persil, et il y a beaucoup plus de persil que de semoule en fait. Et j'ai franchement, j'ai, quand j'étais petit, j'aimais pas le persil. Et plus en grandissant, vous savez, on change, nos goûts changent, nos goûts évoluent. Et de plus en plus, j'aime le persil. Et franchement, s'il y en a un qui pourrait m'amener, enfin un, ce serait peut-être qu'il y en a qui ont la famille libanaise. Il ne m'écoute pas, j'ai dit à ce garçon de pas se battre sur le bateau. Oh, casse-brique! Ça, c'est cool. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse la prendre. Ah, si! Est-ce qu'il la prend? Il a pas un Pokémon de combat? Ah, il a Colossinge. Je vais le garder pour Colossinge, je pense. Voilà, donc s'il y en a qui peuvent faire un taboulé maison, alors pas acheter au centre commercial, franchement, je trouve vraiment que ça a rien à voir. Ça a vraiment rien à voir. On m'a donné un ticket gratuitement par deux filles étranges. Deux jeunes filles étranges. Je me sens comme le roi du monde. Voilà, franchement, ça me ferait extrêmement plaisir que vous soyez là également, hein, évidemment. Hey, garçon, garçon. Hey, toi, garçon. I want you to have a look at this Pokémon. Ah, ça doit être le Magikarp. Donc là, il raconte que le Magikarp pond 1000 œufs, 1000 œufs à la fois. Chacun de ces Magikarp pond 1000 œufs, 1000 œufs de plus. 1000 fois 1000 égale 1 million. Tu peux vendre un Magikarp pour 500 Poké-Dollars. En 3 générations, tu auras plein de sous. Qu'est-ce que t'en penses? Tu veux être un homme riche? Alors, le truc, c'est que dans le dessin animé, c'est pas lui qui l'achète, c'est James. Est-ce qu'il faut que je l'achète? Ça sent poké de l'or, bon allez. M'en fiche. Peut-être qu'il est shiny, hein. Magie! Magie, magie! Je sais plus comment ça s'écrit. Comme ça? Comme ça? Je vais appeler Maggie. Ok, on continue. Oh, he's there. Oh là là, ça me donne envie de manger taboulé maintenant. Avec mes bêtises, ça me donne envie de manger taboulé. Oh. Franchement, ça me ferait extrêmement plaisir. Bon, on te choque, c'est bon. Bon, faudrait que je change un peu, tant à coup. Là, on va amener. Il n'y a pas une attaque psy. Une attaque seul. Non, on va amener. Carapuce. On va faire morsure. Oh, le vilain. Yes, c'est bon. C'est tout? Oh, t'as les lunettes noires là! Faut que tu nous boostes ça, mais je sais que Tentacool est pas mauvais en défense. Évidemment. Donc c'est pour ça qu'il résiste pas mal à la morsure. D'autant plus que c'est pas stabé. C'est pas du même type que moi. C'est pour ça. D'ailleurs, sur des styles, il y a un Tortank aux ténèbres en méga. Ça aurait été sympa. Bon, ils n'ont pas. Faut pas se soigner là. C'est où déjà que je suis? Non, je viens de là. Il m'en revend lui, vous croyez? Hop là.
Refunds. Oh putain. Pardon. Punaise, c'est quoi déjà refunds? Des reprises sûrement. Puis on l'a étudié hier. Enfin, on l'a étudié, je suis sûr qu'on en a parlé. Ouais, à mon avis, je rembourse pas. Je crois que c'est remboursé. Non, payback remboursé. Non, non, remboursé. Bon. You know what you were. Je pense que c'est remboursé. Non, lui, j'ai déjà fait, je crois. C'est quoi, je vais le faire. Pokémon. Qu'est-ce que je peux bien entraîner? C'est bizarre, pourquoi pas. Ok. Let's set sail. I don't know. Il y a un Pokémon et Machoc. Ok, bulle bizarre, bon ça va être cool. Attends, on va lui faire ça, Rampigraine. Ça va. Ça va, ça va. Razor Leaf. Trancherbe. Ce qui est plutôt pas mal, sans qu'on critique. En plus, je trouve qu'il fait beaucoup de dégâts. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire dans le dernier épisode. Les natures des Pokémon. Alors, elles sont pas toutes terribles. Je me souviens plus exactement. En français, Bold, c'est assuré. Ça augmente la défense, ça baisse l'attaque, je crois. Bon, attention, ça se voit. Hein. Y a pas photo. Donc, c'est pas top top. Même si ça, c'est... Il me semble que c'est physique. Là, les types plantes, c'est physique, malheureusement. Lui, bon, déjà vu, le si. Relax. Ça fait un truc nul. Un truc pas bien. Et ça, Hardy, je crois que c'est neutre. Il me semble. Ou peut-être c'est relax, neutre. Enfin bref, c'est pas intéressant. Honnêtement, c'est pas top. Philippa. Ils utilisent des mots que... Je sais pas ce que c'est. Ah, poussière d'étoile, génial. Ah, poussière d'étoiles sont tombées de mon Starry. Il y en a plein dans la salle, dans la pièce. Dans la cabine. Ouais, ça va plus à des cabines. J'ai perdu mon vieux hatchet. Back in the day, I used to chop down small trees. Ah, ok. Ah, c'est sa hache, je pense. Une genre de hache, une hachette. Quand il était jeune, il avait l'habitude de couper les arbres, les petits arbres, comme un woodsman, un ébéniste. Comme ça qu'on dit ébéniste, je crois. Ou maçonnerie. Non, ébéniste. Voilà, c'est fini maintenant, j'ai plus le temps de faire ça. Bah, et que c'est d'autres vignes inédites. Ah, mais il faut quand même la chercher. Bon, si on peut la trouver, pourquoi pas. Mon grand-père is a little well strange. Est un peu bizarre. Eh bien, bizarre. Ouais, bon, cet épisode, ça va être pourri de combat. C'est comme ça, hein, on va pas... Je vais pas couper. C'est pas des combats à la file, des fois, il y a des trucs intéressants. En même temps, à la fin, de toute façon, ne vous inquiétez pas, je vais pas vous lâcher. Non, je vais pas vous lâcher, ça c'est sûr. Je vais pas vous lâcher avec... Avec voilà que des combats et puis on s'arrête là quoi. Non, on va aller jusqu'au bout, on va faire l'événement. Tiens, Pikachu. Putain, on va amener Diable. Là. Ouais, ne vous inquiétez pas pour ça. Ça sera pas un épisode que de combat. Et ben voilà, qui demandait de plus? Si tu veux, il n'y a pas de souci. À moins que tu me sortes un séisme, que je pense pas que tu puisses apprendre. Déjà, à x2, à mon avis, il est déjà plus rapide que moi. Alors, enfin, on l'a vu, hein, de toute façon, on l'a vu. Qui était plus rapide que moi. Donc, quel est le délire de monter à x4? Enfin, plus 4 plutôt. C'est x3, mais plus 4. Attaque plus. Combat. Eh bien.
un petit garçon perdu pour moi, to play with. C'est super mal traduit, mais en gros, un petit garçon qui s'est perdu, ah bah chouette, je vais pouvoir jouer avec lui. Non. Non. No way. C'est qui? Caninos, Carpus. Non, t'es sérieux? Bah... Pourquoi il me vire? Il est bête ou quoi? Bah écoutez, on va le liticide et puis... J'espère qu'il va en faire... Mouais. Écoutez, on va quand même le laisser parce que j'ai pas envie de... On va lui faire la totale, quoi. Pou toxique, vampigraine, allez, tout. La confusion, l'attraction. Ah mince, ah ouais, non, c'était pas une blague, ouais, d'accord. Bon, ça, il résiste bien, quand même. Franchement, il résiste même super bien. Bon, il a 5 niveaux d'avance, mais... Oui, mais c'est lui qui est meilleur en défense, là. Ah, mais non, en défense spéciale, c'est le feu. Bon, j'en sais rien, moi, je change quand même. Bon, allez. Si tu veux, écoute, on va te faire une onde de choc. Hop, normalement c'est le chaos. Hein. Donc la balle de lumière. Voilà. Ils ont tous. Bon, maintenant, t'as plus hurlement. N'est-ce pas? Donc on va amener Carapuce. Et on va faire pistolet à eau. Mais oui, y'a pas de soucis, tu me brûles pas. Hein. Pas mal tout ça. Ponyta, c'était ma première carte Pokémon. Je l'avais eu cette carte en échange d'un stylo. J'étais au CP, je m'en souviens. C'était une fille d'ailleurs qui s'appelait Imen. Elle doit toujours s'appeler Imen. Et elle avait Ponyta. J'ai échangé contre un stylo. Pourquoi pas, j'avais pas de carte Pokémon au début. CP, c'était l'année 1999 et 2000. 15 ans. Je suis venu depuis l'archipel Orange. C'est une île de vacances tous les jours. Ouais. En effet. Ah là, il y a le rival normalement. Je suis désolé, jeune homme, mais ce n'est pas ta cabine. Je comprends, le Saint-Anne est tellement grand, c'est facile de se perdre. Oh, tu me prends pour qui, là? Allez, on va aller les soigner, on va aller au sous-sol, parce qu'on n'y est pas allé. Ah, on peut encore monter? On va tout visiter, de toute façon. Hein. Ah, mais attendez, je l'ai pas fait en bas. Oh, j'ai pas fait ça non plus. Et ouais, donc Ponyta, vous savez, la toute première carte, première édition du bloc Wizard. Et... Voilà, première carte Pokémon. Ponyta. Est-ce qu'on trouve des... Ah, là, peut-être la hachette. Oh, une hache. Des fois, il y a des baies. Chestoberry. Donc, ça, c'est la baie marron. La baie cerise. Et la baie pêcha. Donc, cerise pour le poison. Pour l'électricité. La paralysie. Pêcha pour le poison. Excusez-moi, je dois préparer la nourriture. Blablabla, ok. Si jamais. Peut-être qu'il y en a qui n'ont. Les passagers ne sont pas censés être là. Pourquoi ton père et ta mère ne gardent pas un œil sur toi? Oh, il mange des... Oh! Farfetch, c'est... Oiseau, là, comment ça s'appelle? Canard artichaut sauté avec des oignons. Bon appétit! Et puis avant, il y avait d'autres Pokémon. Il y avait un Chétiflore et un Magikarp. Et lui, il pèle les oignons. C'est pour ça qu'il pleure. Ok, c'est... On peut prendre des trucs, voilà, dans les poubelles. Nickel. Hyper potion, ça vaut le coup. Je prends mon adorable
Mistou, Misty, enfin Mystère quoi, avec moi où je vais. N'importe où, où que j'aille. Il regarde même pas, hein. M'en fous. Ouais, j'ai démarré ma carrière de marin quand j'étais un gentleman sur la route. Off route 6 gave me my first fishing rod. Ah, le gars de la route 6 lui a donné sa première canne à pêche. 3 Pokémon. C'est pas grave. On continue. D'ailleurs, je vais vous montrer ma manette. Je sais plus si vous l'avez déjà montré. Ouais, peut-être que oui, peut-être que non. Cette superbe manette que ma cousine m'a offerte. Ouais. M'a offerte. Elle est super. C'est une imitation Xbox 360 PlayStation 3. Ou PlayStation plutôt. Mais franchement, elle est géniale. Pour jouer aux émulateurs, rien à dire. T'es sérieux? C'est là qu'il sort l'attaque exuviation. Je crois que ça n'existait pas en 3ème génération. Je crois que c'est apparu dans la 4ème. Me semble. 4ème ou 5ème. Avant, ça m'étonnerait fortement. Je l'avais jamais vu en tout cas. De toute façon, vous pouvez toujours me reprendre dans les commentaires. Pas de soucis. Génial. J'adore jouer avec ma canne à pêche. Chacun son délire. Ça, c'est moi ou il y a que des références un peu bizarres là? Oh. Je suis venu. C'est fou parce que d'habitude ça me saoule les combats, honnêtement. D'habitude ça me saoule. Mais là, comme je sais qu'il y a quelque chose derrière. Derrière, à la fin du truc, quoi. Du Sainte-Anne. Je me dis, bon, allez, c'est pas grave, on fera des combats, et puis voilà, l'épisode durera un petit peu plus longtemps. Et puis tant pis, quoi. Mais voilà, ça me donne envie de continuer. Et puis en même temps, je me dis, bon, allez, les combats, ça me fait gagner de l'expérience, ça peut être que bien. Puis en même temps, on discute, quoi. On discute. Enfin, je discute tout seul, malheureusement. En solo. Level 23, ok. Et il a que des hippotrempes. Génial. Et d'ailleurs, faudrait que je regarde de temps en temps mon Pokédex. Voir s'il y a. S'il n'y a pas des. Ah, il m'avait peut-être fait brouillard déjà. Non, allez, s'il te plaît. Entre nous, Bulbizarre. Bulbizarre, s'il te plaît. Non! Bon, dernière fois, après je change parce que. Sinon, ça va rater 40 fois. Ouais, bon, ok. C'est bizarre parce que l'animation elle est pas apparue au début. J'allais faire la remarque. Et là, je viens de voir qu'elle est apparue, c'est bizarre. Hein. Bon, allez, Pikachu. Puis là, onde de choc, de toute façon, ça rate jamais. Donc, il peut me faire. Franchement, le nombre de fois qu'il veut sans brouillard, ça ne m'affectera pas. Belly up. Si tu veux. As you want. Ether. Alors, Pokédex, comment on a vu? 56, attraper 10. Bien, ça. C'est cool. C'est chouette. Do you like going out to sea? Est-ce que tu aimes aller à la mer? Tintin. Ok, Tentacool. Go, Bulbizarre. Ça va pas lui enlever beaucoup, ça, je sens. Bon, ça va, tant qu'il rate son attaque ultrason, on s'entend bien. On va bien s'entendre. C'est bon, ça. Ça, c'est bon. Ça, c'est fait.
Starry. Non, non. Non, non, tu connais pas ta table des types, hein. Chenipan niveau 25, bon, peut-être enlever l'ulti-exp à Chenipan parce que là, Papillusion plutôt. Repos, d'accord. Non, c'est pas ça. On va le donner à Roucoups. Et il peut être intéressant pour la prochaine arène. Est-ce que c'est la prochaine? Oui. Ah, ok. Est-ce que c'est la prochaine, la plante, celle-là de Paul? Je crois que oui. Hein. Bref, donc on monte. Et ensuite, on remonte. Là, on arrive normalement. Ah non. Ah non, attendez, il faudrait que je batte le rival d'abord. S'il y est. Non, on va d'abord visiter ça. Ok, donc là il va y avoir de l'air frais. Ah, le Rattata qui est là. Lui il a Machoke, non? Il dit pas Machoke, Machoke. Hey Mathieu, let's do a little jig. Ok. Je crois que c'est lui qui a Machoke. Je peux projeter. Ou Machoper. Magica? On m'avait pas dit. Bon, lui ça va être vite fait, hein, réglé. Je crois. Hop là. Oh, il faudrait que j'aille les soigner d'ailleurs. Alors, attaque, c'est pas dit qu'il soit facile. Parce que j'ai pas attaque combat. Bon, même si je pourrais en apprendre une, mais. Je préfère vraiment la garder pour Colossinge. Ça peut être vachement intéressant. Allez, on va les soigner. Et puis ensuite, on va aller faire l'événement. Du Rattataque. Et puis ensuite on s'arrêtera là. Parce que ça fait déjà un épisode assez long. On a fait pas mal de combats. Je vais voir comment ils mettent en scène le fait que le Sainte-Anne plonge dans les profondeurs sous-marines. Ok. Le Rattataque de ce gentleman est vraiment quelque chose. N'importe qui voudrait l'avoir. Es-tu... Alors voilà, on m'a dit brave, c'est courageux. Donc, es-tu courageux, suffisamment courageux pour combattre mon Raticate? Hate en anglais, c'est pour ça qu'il a mis ça. Comme tu veux. Moi, je suis courageux, moi. Enfin, honnêtement, moi, j'y vais. Prépare ou gagner. Bon, normalement, il le bat, hein. Et même, il prend la fuite. Donc on va y aller à coup de... Voilà, ce qu'il lui fait ici, tu veux, pas de soucis. Rattata qui est quand même assez rapide, hein, de base. Bon, le fait de faire ça, ça l'avantage pas. À la limite, de faire un gros yeux, ça aurait été plus intéressant. Mais bon, je sais qu'il va avoir les attaques trop fatales, tout comme ça. Voilà, là normalement je peux résister à un deuxième crocodile. Alors c'est soit croc de mort, soit croc fatal. Je crois que croc de mort ça enlève toujours la moitié de ce qu'on a. Et croc fatal, je crois que ça. Je sais pas, ça dépend de quelque chose, je sais pas trop. Peut-être que je confonds les deux, hein, vous pouvez me dire dans les commentaires. Voilà, mais normalement là je résiste. Ah, il fait vive attaque, ok. Là un petit coup critique, ce serait pas de refus. Et ben voilà. Coupe, c'est monté niveau 23. Ça suffit. Pourquoi nous ferions... Enfin, why don't we just call it a draw? Je me retire, quoi. Enfin, en gros, plus ou moins. Qu'est-ce que tu penses de mon Rattataque, pardon. Il est bon, hein. Dans ce cas, je vais être direct. Ça te dirait un échange? Quand deux personnes trouvent
qu'ils aiment tous les deux l'autre Pokémon, enfin le Pokémon de l'autre plutôt, ils l'échangent. C'est un moyen. Ça se fait de partout. Qu'est-ce que tu dis? Ça te dirait d'échanger ton Papillusion contre mon Rattata? Ouais. Après, j'irai le voir pour le rééchanger avant la fin de l'événement. Il est là. Bye bye, Papillusion. Rattata. Je vais regarder un petit peu ses stats, sa nature. D'ailleurs, j'ai fait exprès de ne pas lui donner d'objet, il me semble, à Papy. Ouf, d'ailleurs, j'ai bien fait de lui enlever l'objet. Peut-être que j'allais le perdre, le multi-exp. Je l'ai bien enlevé, je l'ai mis à recours, ouais. Oh, regardez! That's all there is to it. Il y avait juste ça à faire. Rattatak est ton nouveau Pokémon. Raticate. C'est marrant le pseudo. Il a Macho Brace. C'est. Bracelet Macho, je crois. Je sais plus ce que ça fait. Je crois que ça baisse la vitesse, ça augmente l'attaque. Makes escaping easier. Ok. Sa nature, Lonely. Solo nature. Je sais pas ce que ça fait. Ok, il est bon en attaque. Ok, merci. Bon ben voilà, on va s'arrêter là pour cet épisode. Il est long, c'est pour ça que j'ai pas envie de continuer jusqu'à la suite, mais je vais en tourner un d'affilée de toute façon. Il le faut, hein, il faut que je prenne un peu d'avance. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi ce 8e épisode de Pokémon Ash Gray. J'espère qu'il vous a plu. Moi, je prends toujours tout autant de plaisir à tourner cet épisode de Pokémon Ash Gray. Et je l'avais dit, hein, que je ferais cette série, et je la fais. Voilà, je tiens mes promesses, quand je peux. Mais cette série, je devais la faire, franchement. On peut pas passer à côté de cette série, malgré le fait que ce soit en anglais, on peut pas. Voilà, c'est pour ça que j'étais obligé de la faire. Et puis mettre un petit peu à ma sauce, avec des petits génériques, des petits trucs comme ça. Voilà, en tout cas, nous, on se retrouve donc... alors, attendez. Le 7e épisode vendredi, le 8e lundi, donc normalement on est lundi. On est lundi. Donc vendredi, on se retrouve pour le 9e épisode de Pokémon Ash Gray. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.